J'ai eu ce besoin irrépressible qui a grandi et qui m'a jamais quitté depuis, de chercher la liberté la plus complète, la plus totale. Moi, ma maison, c'est un sac. J'ai pas de maison. Si jamais je devais définir une ambition qui m'est propre, ça serait de vivre pleinement à 100% et de trouver l'aventure. C'est assez génial de pouvoir créer un itinéraire de A à Z, de passer beaucoup de temps sur les cartes, de lire des guides, de se documenter sur un pays qu'on ne connaît pas encore. Et in fine, emmener des motards sur des circuits dans beaucoup de pays différents. Mais on vit des moments intenses, on vit quelque chose de fort. L'aventure, c'est l'aventure, comme disait Lelouch. C'est se retrouver confronté à des situations qui nous dépassent, qui nous emmènent plus loin, qui nous font frissonner, qui nous challenge, qui nous rendent meilleurs d'une certaine manière, qui nous chamboulent, qui nous bouleversent. Première fois que je pars tout seul aussi loin de chez moi, j'ai toujours eu cette envie de un jour aller dans un pays, acheter une moto, un truc qui avance pas mais qui t'emmène au bout du monde. Partir loin dans une culture, un environnement que je connais pas, faire de la moto, se rendre compte un peu de comment ça se passe sur place, comment sont les gens. Moi, mon expérience à moto, c'est le permis, c'est quelques tours en 125 de temps en temps. J'ai un peu tout à apprendre, tout à découvrir. Je suis une personne curieuse, on va dire. J'ai envie d'aller voir par moi-même ce qui se passe, découvrir autre chose. Là, la moto, ça permet d'aller un peu loin, de sortir des sentiers touristiques, aller au bout de la découverte, quoi, vivre le truc pleinement. I've never been to Asia before, Vietnam as well. It's somewhere I've always been attracted to from afar, and I quite like the idea of the sort of the old school romance of like cross-country travel. You know, it's just being out there, and I think that's the greatest thing about travel is you see other perspectives, you see other cultures, you see the way people live around the world, and I think that can only be a good thing to, you know, eat different foods, to stay in different places. It's certainly not a bad thing. If you break suddenly, if the guy behind you is too close, he might avoid you. But the third one will kiss the ass of the second one. I've never ridden one of these, but I think they're quite light and easy to maneuver, so I think it'll be all right. It's just the traffic I'm a little bit worried about. There's not as many bikes on the road in London. I'm more nervous than I am excited at the moment. Franchement, ça a l'air d'être des motos simples, des motos assez faciles à utiliser. À la fin de la journée, ce sera déjà une première étape de franchie. On verra s'il faut corriger ou pas. Le tuto beauté. Alors, ouvre-moi des lèvres. Quoi d'ailleurs?
Bah, ce qui est clair, c'est que tu es motard à la naissance au Vietnam. Tu sors d'hôpital, tu nais sur une moto, littéralement, au Vietnam. J'ai cet endroit ici qui accueille des gens. C'est en territoire Zao, avec la culture. Le bonheur que j'ai, c'est que j'ai un lieu d'accueil et je rencontre des lascars qui viennent me voir avec le bon esprit, et qui font de la moto. Et qui arrivent avec quand même leurs grosses boots du monde entier, là, qui sont un peu soudés les vertèbres pour continuer à faire de la moto, des lascars, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est juste l'ultime bonheur d'avoir cette rencontre de mes deux passions. T'imagines ? C'est tout ce que j'aime réuni en un. Rồi bên chỗ cái đầu xe lấy cái kính ở trong cái túi. Ông chưa đủ chưa? Ông vừa ông lắm à. Come on in. Now 17. Let's get away to this world. Open my heart to this world. C'est hyper simple. Elle est légère, elle est simple, ça suffit largement. Dans les champs, sur les montagnes et tout, c'est la liberté. Après, tu vas où tu veux. Il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, hein. Tu montes dans les collines. J'ai fait le Rajasthan, j'ai fait le Ladakh, avec la route la plus haute du monde. Et après, la Mongolie aussi. J'ai tout fait, moi, mon pays. La moto, c'est la liberté, tu t'arrêtes où tu veux, tu le gares où tu veux, tu repars quand tu veux. T'as pas d'horaire, t'as rien en moto. Mais j'aime bien partir tout seul et comme ça tu rencontres des gens, on roule ensemble, on reste en contact, c'est marrant. T'arrêtes pas de bouger, de toute façon dès que tu commences, après tu t'arrêtes plus. Les gens, ils s'en foutent si t'as des sous, t'as pas de sous. T'es là pour rouler, tu discutes de moto, qu'est-ce que t'as comme moto, tout ça, avec quoi tu roules, combien de temps tu roules. Qu'est-ce que t'as fait comme sortie, qu'est-ce que t'as fait comme pays. T'échanges, tu fais voir des photos. C'est toujours bien de voyager, ça te fait voir d'autres personnes, ça te fait voir d'autres cultures, d'autres manières de vivre, de manger, de t'amuser, de plein de choses. Messi and Mbappé. Football. Like, okay, PSG. Cách đây là du lịch mà người địa phương với lại xe tải người ta đi qua lại. À, vui chứ anh. Cái khách nước ngoài đến ăn thì cứ cho dù cả một người hoặc nhiều người nhưng có khách vào quán mình, khách du lịch là mình rất vui rồi. Vâng. Wedding? Yes. Wedding? Để làm chắc. Chúc chú đi đường mạnh khỏe nhá. Wow. Anh. À, được rồi, bạn bè. Cảm ơn. 2, 3.
Le parcours est vraiment incroyable. Très, très rapidement, quand tu sors d'Hanoï, tu te retrouves dans les, au milieu des rizières avec ce verre assez étincelant. Enfin, c'est la première fois que je voyage aussi loin seul. Franchement, oui, je le sais. Quand on voit le décor qu'il y a là, et j'imagine que la suite, ça va être du même niveau, ouais, tu regrettes pas, quoi. La moto, ça te permet aussi d'aller vraiment en profondeur dans cette région du Nord-Vietnam, d'aller à la rencontre des habitants qui sont hyper accueillants. Ce qui est marquant, je trouve, ici, c'est l'accueil des locaux, c'est incroyable. C'est quelque chose que j'ai vu dans peu de pays. Un accueil vraiment sincère, spontané. Ce qu'on retient quand on voyage dans cette région, je pense que c'est avant tout les sourires. Oh, t'as dû mettre bien la roue arrière dedans, peut-être, ou... Non, mais c'est... Có lúc trước đó hồi có ông già ông làm xe đạp đó, tự nhiên ngẫu nhiên hồi nhỏ giờ lớn lên và thích đi làm thoải mái thôi. Mình làm mình rất thích đi đây đi, đi đó để nhìn những con đường, những cảnh đẹp, đúng rồi, và những dân tộc của họ mình chưa đến, mình sẽ đến, mình rất thích, mình rất vui. My first crash, I think I was accelerating through the corner and it just slid out one way and then slid another way, and then I just went down very ungracefully. Just scraped my knee a little bit. So it's a bit shocking at first, but it's fine. Has to happen at some point. Because you push a little bit harder and then just trying to find the limit, and I found it. Ferme l'œil, ouais. Putain, ça pique, hein. Donc, traitement de piqûre par le docteur François, dermatologue. Je te demande pas d'arrêter de dire des conneries. C'est bon, Philou. Tu peux arrêter de dire des conneries. Philou, t'aurais pu te faire piquer ailleurs. Tout T'as le bruit que ça fait? Ça fait du bruit, j'entends pas. Mmh. Il y a de la caillasse, là. Good morning, Vietnam! Comment? Coffee already. Keep not drink coffee. Thank you so much. Yeah, good smell. Come in. Aye. My friend François from where? Allez. J'ai eu le temps de prendre mon haut waterproof sur la moto. Donc je pense que je l'ai emmené et que quand je vais l'utiliser, il sera trempé. Yeah, to Market. Comment ils vivent? You sell de tabaco? Market? Yes. Market. Is this? La moto... Il pleuvait énormément. Grosse averse. Du coup, on s'est arrêté et on s'est fait accueillir très très gentiment. Natural tabaco. Ha ha.
Et après, du coup, la partie un peu dans la boue, dans la terre, un peu glissant, un peu tricky, mais... Enfin, mais moi, j'adore, donc c'était un bon moment. As we were coming through, the thunderstorm hit us, and all of the clay turns to really slippy mud, orange mud. So we spent an hour getting through the mud and the rivers, but we all made it, none of us fell off. And we're now having a nice lunch in the sunshine. So what adventure's all about. Quand tu voyages, tu vois d'autres choses, ça te met en perspective un peu tes idées, et ça ouvre l'esprit. Donc non, le seul truc c'est d'oser, c'est toujours ça, c'est d'oser, c'est de dire allez, let's go. Il n'y a rien à perdre et que du positif à récupérer. Je pense que je vais repartir. Ouais. Alors je pense que même après avoir beaucoup voyagé, après avoir beaucoup roulé, bien sûr qu'on s'émerveille toujours, bien sûr qu'on a toujours envie d'aller voir plus loin, on a toujours envie d'aller rencontrer d'autres gens, on a toujours envie d'aller rouler sur de nouvelles pistes, passer de nouveaux cols, franchir de nouvelles rivières. Et puis j'ai quand même le sentiment profond que c'est la condition pour vivre heureux, c'est de garder cette capacité d'émerveillement. If you can ride a bike and you're thinking about doing a big trip, then this is 100% a great thing to do. You know, we've traveled nearly 1,000 miles through North Vietnam, and I've had some difficulties on this trip, struggled at points, but also it's pushed me, it's made me better. It made me a better rider, it's probably, you know, made me a better person. I've developed, and that for me is the main thing, and that's really exciting.